Je vous invite vivement à vous rendre soit sur la boutique dont vous avez les différentes adresses. En effet, les crépitements affreux de mon micro vont m'obliger à le remplacer. Or, s'il ne pouvait y avoir ne serait-ce qu'un euro, car cela peut suffire, versé sur le compte Tipeee, cela aiderait beaucoup à en racheter un nouveau. D'avance, merci. Bienvenue, imprudent mortel. La dernière fois, j'avais abordé ce qu'était la définition d'une fée. Cette fois-ci, nous parlerons les Célies et les Uncélies. Par Uncélie, il faut comprendre fée maléfique. Parce que ça existe, oui. De même qu'une sorcière peut être bienveillante. La différence entre les deux, mais je l'avais dit, c'est que les sorcières sont des mortels, mais pas les fées. Un exemple malveillant très connu, bien sûr, c'est cette marraine fée mécontente qui apparaît au baptême de prince ou de princesse pour prononcer une malédiction. Je l'ai dit, elle descend en fait de la troisième moire, celle de la mort, que les parents n'invitaient pas pour ne pas entendre à quelle date leur enfant devait mourir. Mais elle arrivait quand même et prononçait une malédiction en supplément pour avoir été ignorée. En gros, cette fée, c'est la mort elle-même. On comprend mieux dans ces conditions pourquoi Maléfique fait aussi peur. Elle-même descend de la fée Carabosse du ballet La Belle au Bois dormant, qui était une exception au fait que les fées sont gentilles, mais aussi belles, comme vous le savez. Tout le monde connaît l'exemple de La Belle au Bois dormant, condamnée à dormir 100 ans par cette fée mécontente, mais il y en avait encore bien d'autres. Chez Madame d'Aulnoy, par exemple, dans Serpentin Vert, une fée ainsi fâchée fait en sorte qu'une des deux filles, parce que c'est une reine qui avait accouché de deux jumelles, que l'une de ces deux filles devienne très laide. Dans le conte de la biche blanche, c'est la princesse Désirée qui est condamnée à rester sous l'aspect d'une biche blanche du moment qu'elle voit la lumière du soleil avant son 15e anniversaire. Ce qui explique qu'elle ait vécu pendant très longtemps dans un palais sans fenêtre. Enfin, la princesse Babiole, du conte de fées du même nom, est quant à elle condamnée à avoir l'aspect d'une petite guenon, jusqu'à au contraire ses 15 ans où la malédiction cesse. Les princes ne sont pas en reste, puisque dans le conte de Normageste, héros d'une chanson de geste, on apprend qu'à sa naissance, une fure était juste un petit peu bousculée par la foule enthousiaste, mais cela suffit à la mettre en colère. Elle déclare donc que la bougie, qui est près du nouveau-né, la vie de cet enfant cessera dès que la bougie aura cessé de brûler, ce sera entièrement consumé. Sachant que le don d'une fée ne se reprend jamais. Heureusement, une autre des fées marraines a l'idée judicieuse de souffler la bougie et d'attendre à la reine en disant « Surtout cachez-la bien » et que personne ne la rallume avant que l'heure de la mort de votre fils ne soit arrivée. C'est ainsi que Normageste, dis donc, contourna la malédiction. Et puis, il y eut le roi Oberon. Oberon est le roi des fées dans bien des légendes, qu'il s'agisse du songe d'une nuit de Shakespeare, ou de la chanson de geste du chevalier Huon de Bordeaux. Dans Huon de Bordeaux, on raconte que Oberon était l'un des deux fils jumeaux avec son frère Georges, de Jules César et de la fée Morgue. On décide que Georges régnera sur les humains et Oberon sur les fées. Ces dernières ont tendance à privilégier ce dernier de ses dons. Elles sont plus nombreuses à vouloir le mariner, et lui attribue le pouvoir de sonder le cœur des hommes, de se transporter à l'endroit de son choix par la seule force de la volonté. On le dote de l'innocence de l'âme, qui fait lui offrir des animaux, et permet d'entendre le chant des anges. Ou bien il obtient un corps magnifique, qui peut guérir les maladies, rassasier les affamés, remplir d'allégresse le cœur des malheureux, et faire entendre sa voix son propriétaire à quelque distance qu'on le fasse résonner,
permettant de rallier toute une armée de preux chevaliers. Mais on dit aussi que l'aînée de toutes ces fées, qui elle était la marraine de Georges, avait fini par être vexée et trouvait que son filleul était trop désavantagé. Pour cette unique raison, dit-on, elle condamna Obéron à être tout petit, de la taille d'un enfant de berceau, et bossu toute sa vie durant. C'était un peu sévère. Et la fée mortifiée s'en rendit bien compte, mais je dis, elle ne pouvait pas reprendre son don. Tout ce qu'elle put faire pour adoucir sa malédiction, c'est de doter ensuite Obéron d'une grande beauté. Et s'il n'y avait que les fées marraines qui se vexent? Mais sache aussi que des espèces entières de fées sont à redouter. Il y avait ces lavandières de minuit dont je vous avais déjà parlé. Celles qui peuvent transformer en écheveaux quiconque les dérange. Les anciens redoutaient, avec raison aussi, les vouivres ou les basiliques, car oui, les basiliques font partie de l'ordre des fées aussi. Il y avait aussi les larves, des horreurs, on peut le dire, au règne duquel appartenait par exemple Méduse. Parmi celles qui passent à Noël, il y avait la Guyaneuse, qui pousse devant elle des chiens monstrueux, qui rentrent dans les maisons et où, implacablement, ils sèmeront la mort et la maladie toute une année durant, sans qu'on puisse les chasser. Dame Bertha, si généreuse avec les personnes gentilles, était impitoyable pour tous les autres. On dit qu'un huissier, qui avait mis à la porte en plein hiver un sabotier et toute sa famille, fut déchiqueté par Dame Bertha, qui déposa tous ses restes dans les sabots de tous les autres huissiers de la ville en guise d'avertissement. Contrairement aux bienfaisantes dames blanches, les dames noires et les dames rouges étaient des ogresses, voire pire encore. La banshee, écossaise, à l'origine protectrice des familles, était devenue des annonciatrices de mort qu'on entend plus souvent qu'on ne voit, poussant de terribles hurlements. Et puis, il y a les laumes du folklore lituanien. Alors elles, ce qu'elles font, c'est kidnapper et échanger les nouveau-nés. C'est-à-dire que pour leur éviter une vie pénible dans cette vallée de larmes, donc elles ne pensent pas à mal au départ, elles kidnappent les plus jolis nourrissons et les remplacent par un petit mannequin de paille. Celui-ci se met à vivre si on le garde plus de 3 jours, sinon il faut lui couper la tête, et dans ce cas-là, ça condamne la famille humaine à le garder. Ce dernier phénomène est connu d'ailleurs sous le nom de changelin. On disait que les fées, bien qu'elles raffolent du lait, n'en ont pas, c'est-à-dire qu'elles n'allaitent pas, et pour s'assurer que leurs enfants en seraient bien nourris, elles les déposaient dans les berceaux des humains, après avoir pris soin de les faire ressembler à ceux-ci, et kidnappaient en échange les petits-enfants humains. On disait que les changelins étaient malingres et pas très beaux, et cela a conduit à considérer les enfants handicapés, parfois au nez avec des malformations, comme des échangés ou des changelins. Et parfois, hélas, les parents se montraient cruels avec eux, pensant qu'il s'agissait d'un enfant des fées. Car on disait qu'il fallait maltraiter le changelin pour que sa vraie mère, la fée, vienne le récupérer. Ou sinon, il fallait l'obliger à révéler qu'il était d'une intelligence bien trop élevée pour son âge en faisant des choses bizarres devant lui, comme faire bouillir de l'eau dans des coquilles d'œufs. Si le changelin révélait son étonnement, il fallait menacer de le frapper pour que, encore une fois, sa mère vienne le récupérer. Sinon, le changelin grandit au sein de sa famille et devient un être un peu monstrueux. Il eut des théories pour dire que Dirk l'Éventreur avait été l'un d'entre eux. Personne parmi nous aujourd'hui n'aurait peur des fées, mais il en fut autrement pendant pas mal de temps. Même pour les espèces gentilles, parfois, les mortels avaient peur d'elles. Ils pensaient aussi d'ailleurs qu'ils pourraient s'attirer leur courroux rien qu'en prononçant leur nom en fait, ce qui fait que je prends pas mal de risques en vous parlant. On disait qu'elles ne se contentaient pas par exemple de kidnapper les jeunes enfants pour les raisons que j'ai dites, mais aussi parfois les adultes plus bizarrement. Parmi ces adultes, il y eut le révérend Kirk,
qui écrivit un ouvrage. Il écrivit « La République mystérieuse des elfes, faunes, fées et autres semblables ». Mais les fées se seraient irritées qu'il ait révélé ainsi leur secret. Officiellement, le révérend Kirk est mort en 1692. Mais il est apparu en rêve à un cousin en disant qu'en réalité, les fées l'avaient kidnappé et laissé derrière elle une sorte de golem justement ayant l'aspect de son cadavre. Car il était mort brusquement, semble-t-il, d'une attaque. Il y eut quelques autres témoignages comme celui-ci. Des gens morts subitement, on disait qu'ils avaient été en fait ravis des fées. Parfois, ils apparaissaient en rêve à un membre de leur famille, comme leur conjoint, et disaient qu'il fallait, par exemple, déterrer le corps, puis lancer un couteau dessus, ou ce genre de choses, pour pouvoir le ou la ramener à la vie. Mais en général, ça ne fonctionnait pas, parce que le prêtre refusait qu'on déterre un corps. Pour se préserver les malices des fées, les gens les plus superstitieux évitaient donc de prononcer leur nom. C'est le cas notamment dans Le Bon Petit Diable de la comtesse de Ségur. La cousine MacMiche du héros, Charles, ne dit jamais le mot « fée » tant elle en a peur. Elle se contente de dire « ces dames ». On leur prêtait des malices comme « faire tourner le lait » ou « faire pourrir les œufs ». Si jamais, elle n'était pas contente de nous. Bien sûr, l'inverse était tout autant possible. On disait qu'elle récompensait les bonnes ménagères, et qu'on pouvait au contraire bien s'entendre avec les fées. Mais dans le doute, la plupart des anciens auraient évité de s'y frotter. Ils pensaient même qu'elles étaient en quelque sorte d'ascendance démoniaque. Bon, cela en réalité, je pense que c'est dû au fait que bien souvent, la croyance aux fées remplaçait les cultes plus anciens, qu'elles descendaient en quelque sorte des druides. Mais quand la christianisation vient et que les prêtres firent comprendre à leurs fidèles que ça ne se faisait plus de croire à toutes ces choses-là, ils prétendirent que c'était des cultes démoniaques. Voilà pourquoi, dans pas mal de contes, se signer ou jeter de l'eau bénite suffit à repousser une fée. C'est pour ça que dans les pierres de Plouinec, un menhir qui protège le trésor des fées évite pourtant de nuire à un chrétien à partir du moment où une croix a été gravée dessus. Dans la BD Wicca, l'auteur Olivier Ledroit décrit l'univers féerique partagé dans deux royaumes avec la reine Mab qui règne sur les Unseli. Mab était traditionnellement à la reine des fées jusqu'à ce que Titania lui reprenne cette réputation. Et dans Wicca, Titania est la reine des Selly. Si vous êtes curieux de savoir à quoi peut ressembler une Selly, je vous recommande non seulement telles qu'elles sont dans Wicca, mais aussi le travail de l'illustrateur Brian Froude, qu'elles ont pas mal inspiré. Mais alors, me direz-vous, nos anciens avaient peur des fées, parfois. Ils se disaient qu'elles pouvaient être malveillantes, ils évitaient de les provoquer. Alors, que s'est-il passé pour que nous n'en ayons plus peur du tout? Je ne sais pas vraiment. Sachez seulement qu'il existait des espèces à qui, vraiment, vous ne deviez pas vous frotter. Évitez de voler leurs trésors, comme je vous le disais, ceux qui étaient sous les menhirs. Mais d'ailleurs, pourquoi était-il sous les menhirs? Il y a un rapport avec les habitats traditionnels auxquels je reviendrai la prochaine fois. C'est-à-dire, pas avant la fin de ce mois-ci, imprudent mortel. Car je pars une semaine en Écosse. Une terre qui a gardé une certaine croyance envers ces dames que j'espère pouvoir vous rapporter. J'espère que cette histoire vous aura intéressé et donne rendez-vous dans 15 jours. Si vous me soutenez, voyez-le dans la description de Tipeee et du Ko-fi. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, de commenter et de regarder sur votre livre en train de la lumière. Au revoir, imprudent mortel.